Dieu tout-puissant, mon cœur considéré pour l'univers, priez par ton pouvoir, le ciel azur, les éclairs. Les ombres et soir de tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout puissant, que tu es grand de tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Salut Augustine Afanki, comment vas-tu ma sœur? Buongiorno, 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 buongiorno. Oui, bonjour tout le monde. Comment vous allez, frères et sœurs? Comment vous allez? Dieu est bon, il 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 est bon. Bonjour, 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 bonjour. Salut Elijah. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Comment vous allez? Oui, je suis content de passer en direct. J'ai voulu vous dire un bonjour, un petit bonjour rapide depuis l'Italie et vous dire combien je suis content. Voilà. Ça va, maman Brigitte Nguende? Merci, merci, merci. C'est juste un petit message d'encouragement. Merci à ceux et celles qui sont en train de se connecter. Oui. Bonjour Anne Exaucé. Bonjour Marie-Paul Barbara. J'attends que les gens se connectent. Voilà. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alors, bien-aimés, je vais vous donner un petit message. Un petit message très simple. Un petit message pas compliqué. Un petit message de détermination. Un petit message qui n'a rien de complexe ni de différent de ce que vous avez l'habitude d'entendre. Mais j'aimerais parler à quelqu'un. Il se peut que là où vous êtes, vous soyez rempli de choses dont vous n'avez aucune idée. Lorsque je parle des choses dans un sens clair. Il se peut que là où vous êtes, vous soyez rempli même de miracles et même de bénédictions dont vous n'avez aucune idée. Voici pourquoi j'ai tenu à faire ce petit programme pour vous encourager. Seigneur, je bénis ton nom pour ce moment. Je bénis ton nom pour ce programme. Je bénis ton nom, Père. Je bénis ton nom, Père, pour tout. Je bénis ton nom pour ta puissance.
Je bénis ton nom pour ton amour. Je bénis ton nom pour ta grâce. Bien-aimé, aujourd'hui, j'aimerais vous donner un message. Lorsque nous regardons l'histoire du mariage de Ruth et de Boaz, nous sentons quelque part la foi. Lorsque nous lisons la Bible, nous sentons ce que nous appelons tous, bibliquement parlant, la foi. Mais je vais me poser une question. Ou vous posez une préoccupation. Pourquoi est-ce que j'appelle cela préoccupation? Parce que c'est quelque chose qui touche tout le monde. Ma question va dans le sens... En fait, je dis, ce qui me préoccupe, c'est de savoir si nous utilisons les thèmes qu'il faut pour enseigner ou bien nous devons revoir les thèmes que nous utilisons pour enseigner aux enfants de Dieu. Parce que je pense que, bibliquement parlant, nous leur disons des choses, mais qui ont besoin d'être revues. Alors, pendant que je me prépare à prendre le message de le message à étudier, c'est-à-dire le mariage de Ruth et de Boaz, Ruth 3, verset 1 à 4, ou 22, j'aimerais vous poser la question de savoir. C'est bien d'avoir la foi, mais est-ce qu'il faut continuer à juste dire qu'on a la foi? Où il faut maintenant démontrer la foi. Parce que selon moi, avoir la foi est la capacité en même temps de démontrer la foi. C'est deux choses différentes. Il est bien vrai que la Bible dit que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Rien ne vous sera impossible. Mais là, le thème, il faut avoir la foi, est suivi par le fait de dire à la montagne de se déplacer. Ce qui veut dire qu'il y a une action à poser, une démonstration qui doit être faite pour que l'on puisse voir le résultat de sa foi. Voici pourquoi j'aimerais vous poser la question, mais la poser moi-même à vous. Faut-il tout simplement avoir la foi où il faut démontrer la foi. La Bible nous dit dans le livre de Luc, Ruth 3, sa belle-mère Naomi lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Eh bien, Boaz, l'homme dont tu as accompagné les servantes, n'est-il pas notre parent? Or, il doit procéder cette nuit au tri de l'orne qui est dans l'aire de battage. Lève-toi et parfume-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il descende à l'air, jusqu'à ce qu'il ait fini de manger et de boire. Quand il ira se coucher, observe l'endroit où il se couche. Ensuite, va
découvrir ses pieds et te coucher, et il te dira lui-même ce que tu as à faire. » Ruth lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Et elle descendit à l'aire de battage et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Vous voyez que Naomi avait la foi et elle était convaincue. Salut Rebecca, ma sœur. Elle était convaincue. Beaucoup de chrétiens auraient attendu que le miracle se manifeste parce qu'ils ont la foi que soit Dieu a donné le mariage. Ils ont la foi que Dieu a ceci. Ils ont la foi que Dieu a fait cela. Mais je pense que il est temps de démontrer la foi. Je vois mes sœurs prier, « Seigneur, j'ai besoin de ta puissance. » Mais ma sœur, tu demandes à Dieu, tu as besoin de son onction, tu as besoin de sa puissance, tu as besoin du Saint-Esprit. Comment sauras-tu que tu as le Saint-Esprit si tu ne vas pas démontrer la puissance du Saint-Esprit? Comment le sauras-tu? Moïse a dû se tenir devant la mer Rouge et brandit son bâton pour diviser la mer. Il avait non seulement la foi, mais il avait la conviction qu'il pouvait agir ainsi. Je pense que beaucoup d'entre vous êtes remplis de la puissance de Dieu. Vous êtes remplis de beaucoup de bénédictions. Vous êtes remplis de beaucoup de faveurs. La grâce de Dieu déborde en vous. Beaucoup ont été oints, appelés même à servir Dieu. Leur seul problème, c'est le manque de foi. Donc, instead of saying, I have faith in God, it is time for you to demonstrate your faith during hard time. Donc, au lieu de vous contenter à dire, j'ai la foi, et puis vous vous asseyez pour attendre des miracles, j'aimerais que vous changiez tout. Salut frère Emilio, et que vous commenciez à démontrer la foi. Vous savez, c'est dans la démonstration de la foi que le miracle survient. Et tant que tu n'iras pas en face de certaines situations, tu ne sauras jamais de quoi tu es capable. I was saying that it is during the time we demonstrate our faith that miracle can come to pass. Because you cannot know what God has put in you unless you go in front of a situation and try to demonstrate your faith. For example, how can you know that you have the power of God if you don't go and pray for somebody? You will only see it only if you face a situation. Comment pourras-tu savoir que tu as la puissance de Dieu si tu ne le démontres pas? Bien-aimé, le jour que j'ai su que j'étais appelé à prophétiser dans la vie des gens, je m'étais tenu debout et j'ai commencé à déclarer des paroles. Et sur le champ, les gens ont été bénis. Voici pourquoi beaucoup de chrétiens, des sœurs, des frères, des amis, des tontons, des tantes, même en dehors des pasteurs, sont remplis de beaucoup de dons. Many are filled with power, with the grace of God, but they don't see it come to pass because they don't demonstrate their faith. Beaucoup sont remplis de la grâce de Dieu, mais ils ne voient pas parce qu'ils n'ont pas encore démontré la foi. Donc, au lieu de dire « j'ai la foi », cesse d'agir ici. Parce que la foi à elle seule
est suivie par une démonstration. La foi parle de la démonstration. La Bible parle de la démonstration. C'est une démonstration même de ce que tu n'as jamais vu. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi doit être démontrée pour produire des fruits. Donc, là où tu es là, il se peut que tu sois rempli de l'onction de guérison. Mais comme tu n'as pas assez la foi pour aller imposer la main à un malade, est-ce que vous me recevez? Do you hear me? Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Donc je disais que là où vous êtes, jusqu'à preuve du contraire, sauf si vous êtes allé prier pour quelqu'un et puis ça n'a pas marché. Sauf si vous êtes allé devant une situation et puis ça n'a pas marché. Sauf si vous êtes allé faire quelque chose et puis ça ne marche pas du tout malgré tout. Vous pouvez me dire que oui, non frère Elo, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Thank you. Donc, how can you know that you don't have the power of God if you don't try to demonstrate your faith? Maybe where you are presently, you have the grace of God, the power of God, you have the anointing of the Spirit of God, but as you have never put yourself in a situation where you can see it, you don't see it just because you don't demonstrate it. Donc là où tu es, il se peut que tu sois rempli d'une puissance divine capable même de diviser la mer, séparer des murs, renverser des obstacles. Mais comme tu n'étais pas encore mise dans une situation où tu peux voir si oui ou non tu as la foi, donc tu ne sais pas. Lorsque j'étais enfant, j'étais jeune dans le ministère, on m'a appelé un jour. Homme de Dieu, viens. À l'époque, j'étais évangéliste. Et il y avait une petite fille qui était en train de mourir. Et on m'a appelé pour prier pour elle. Alors, je suis allé prier. J'ai prié avec autorité. J'ai prié avec conviction. J'ai prié avec détermination. Et cette jeune fille a eu sa guérison et sa délivrance. Lorsque je suis rentré, j'étais étonné de ce que Dieu venait de faire à travers ma prière. Waouh! Un homme était sur le point de mourir en Côte d'Ivoire. Le Seigneur m'a utilisé pour prier et ce monsieur est revenu à la vie. C'est là que j'ai commencé à voir que Dieu peut utiliser tout le monde. Je n'étais ni pasteur, je n'étais ni apôtre, je n'étais ni évêque. Je me suis dit que je suis un chrétien à qui le pouvoir a été donné. Somebody was about to die. They called me to go and pray for that person. When I prayed, the person came back to life. This is how I realized that God can use anybody to make miracles. C'est ainsi que j'ai réalisé que Dieu peut utiliser tout le monde pour faire des miracles. Mais c'est arrivé parce que j'ai démontré la foi. It came to pass because that day I demonstrated my faith. I put my faith in action. La foi est une assurance donnée d'être fidèle à sa parole, d'accomplir exactement ce que l'on a promis. Mais c'est aussi une démonstration de ta conviction, ton assurance. Donc tu dis tu as la foi, mais face au temps difficile tu es incapable de la démontrer. Quelle est cette foi? You say you have faith, but when facing hard times you cry. What do you mean by faith? What do you mean by I have faith? Tu veux dire quoi par j'ai la foi? Tu dis avoir la foi.
Il se peut que là où tu es là, tu sois capable de faire des grandes choses. Tu sois capable de réaliser des choses. Tu sois capable de transformer des vies, même de guérir des malades. Qui vous a dit que la guérison est destinée seulement aux pasteurs? Who told you that it is only pastors that can heal? The Bible says, if only you believe that with Jesus Christ all things are possible, you can do mighty things and wonderful things. Qui vous a dit? Les pasteurs ont juste la foi. Ils ont juste dit oui à l'appel qu'ils ont reçu de Dieu. Ils ont juste accepté de faire de ça un métier. Ils ont juste décidé de devenir serviteurs de Dieu parce qu'ils ont senti l'appel en eux. Il n'y a pas de différence entre vous et les pasteurs. Il n'y a pas de différence entre vous et moi. Cessez de vous ridiculiser. Parce qu'il se peut que ce qui est en vous soit même plus grand que certains hommes de Dieu après qui vous courez matin, midi, soir. Il se peut que c'est juste votre foi que Dieu attend. It may be your faith that God is expecting before blessing you. Maybe you are the leader of your community and God is only expecting you to be courageous in order for him to give you mighty things to do in life. But as you are fearful, reasoning like somebody that doesn't have God, you cannot be a leader if you are unable to lead yourself. Tu ne peux pas être un leader. You can be a leader if you are unable to take care of your house, your own life. But it may be that God has programmed you for something wonderful, but because of the fact that you don't trust yourself, crying for anything, God cannot choose you to lead his people. Dieu ne peut te choisir pour conduire son peuple, peu importe ta destinée. Nul homme n'est supérieur à son prochain. Nous avons tous les mêmes capacités. Nous nous investissons selon les domaines choisis, mais nous sommes tous mêmes. Élie était un homme de la même nature que toi. Elijah was a man of the same nature like you. The Bible says he prayed and rain stopped to fall for 3 years and a half. What can't you do if only you believe in God? You can do all things. Élie était un homme de la même nature que toi. Il a osé parler au ciel, il a parlé et il dit en tant qu'un enfant de Dieu, c'est moi qui décide tout. Cessez d'être des chrétiens pour être des chrétiens. Cease to be Christian only by name. Cessez d'être des chrétiens par nom que de nom. À part ça, on ne voit rien. Tell some people who are claiming to be Christian, go for somebody that is sick. They will say, I'm not a pastor. They will say this case, it's only pastors that can deal with it. Many people are like that, Christians only by name. Shame on them. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Dis-le, va prier pour cette situation. Ils vont te dire, ça c'est un cas que pasteur peut régler. Des prétendus chrétiens qui, lorsque leurs enfants sont malades, ils appellent des pasteurs. Honte à vous. Honte à vous. Vous ne savez même pas qui vous êtes. Vous ne savez même pas qui vous êtes. You don't even know who you are. By the same time, you start confessing that Jesus is Lord. All powers are under your feet. À partir du moment où tu commences à confesser que Jésus-Christ est Seigneur, tous genoux, tout pouvoir sont sous tes pieds. C'est la foi qui fait la différence. La maladie peut céder. La peur peut céder.
Mais comment sauras-tu, Josué, dis-moi, comment sauras-tu que tu as la puissance si tu ne fais pas face? Bien-aimé, là où le diable se soumet à toi, c'est là où tu n'as aucune crainte et aucun doute. The devil will submit to you will be the day you will demonstrate no fear or doubt. When you speak with confidence and tell him, I have power over you, he will submit to you. Est-ce que pour autant, les chrétiens de nos jours ont la foi? Ils prétendent avoir la foi, mais incapables de démontrer la foi. C'est durant les moments difficiles qu'on verra si tu as la foi. Toujours en train de pleurer. Tu commences un projet avec la peur. Tu commences un projet avec le doute. Qu'est-ce que tu vas récolter? You start a project with fear, doubt, reasoning, hesitating. What will you reap? Failure. Tu commences un projet. Est-ce que je vais avoir l'argent? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que, maybe. Somebody that believes in Jesus Christ never speaks that way. Maybe must never exist in your language. Because with Jesus Christ, there is no maybe. It must be according to my faith. Avec Jésus, il n'y a pas de peut-être, peut-être et peut-être. Un enfant de Dieu qui se dit chrétien ne connaît pas le mot ou le langage peut-être. Pour lui, c'est ça doit être selon ma foi. Lorsque j'ai commencé à devenir écrivain conférencier, je ne l'étais pas. Mais je disais toujours, c'est ce qui doit être. C'est ce qui doit être. If only today you can wake up, go to see somebody and say, this is now my new destiny. And when the person look at you and you say, but what do you mean? This is what must be. My present situation is temporary. Si tu peux aller vers quelqu'un et lui dire, voici ma situation. Hey, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu lui dis, hey, c'est ce qui doit être. Parce que ma situation présente est temporaire. Dis à quelqu'un, cesse d'avoir peur. Cesse d'être un chrétien de nom. Chrétien de nom. Christian by name, shame on you. Honte au chrétien par le nom. Chrétien qui ne croit pas en sa parole. Chrétien qui ne croit pas en sa prière. Cessez d'être des chrétiens par le nom. Laissez vos actions démontrer que vous êtes des chrétiens. Laissez vos actions démontrer que vous avez la foi. Parce que bien aimé, jusqu'à preuve du contraire, tout le monde peut guérir un malade. Tout le monde peut ressusciter un mort. Tout le monde peut créer des situations. Tout le monde peut changer sa vie. Vous pouvez le faire. Mais pourquoi avez-vous peur? Parce que vous n'avez pas la foi. Est-ce que vous savez quand un enfant de Dieu peut se permettre de dire qu'il a la foi? Jean, est-ce que tu peux me dire, quand on dit qu'un enfant de Dieu a la foi, la véritable foi et le doute ne cohabitent jamais. La véritable foi et le doute ne cohabitent jamais. La véritable foi et la peur ne cohabitent jamais. La véritable foi et l'hésitation ne cohabitent jamais. Donc si tu commences un projet et puis tu as des doutes, mais tu as la foi aussi, tu n'as pas la foi. C'est qu'il y a une bataille, une lutte entre la foi qui veut venir et quoi? Le doute qui refuse de partir. C'est tout. Tu as la foi, tu n'as aucune confiance en toi. Chrétien peureux, pleurnichard, en train de lutter et autres. Tu as la foi, mais va affronter ta situation. Tu as la foi, mais va passer cet examen. Tu as la foi, mais va leur dire la vérité. Tu as la foi, mais va affronter ta situation. Tu as la foi, mais lève-toi pour prier. Pourquoi tu attends qu'un pasteur vienne prier pour toi?
Tu n'as pas la foi. Arrête de me fatiguer. Tu n'as pas la foi. Non, ne mens pas. Tu as la foi. Tu as quelle foi? Tu as quelle foi? Tu as abandonné tous tes projets déjà parce que tu es fatigué. Une personne qui a la foi ne se fatigue jamais. On t'a jamais dit ça? Une personne qui a la conviction que Dieu va le faire ne se fatigue jamais. Elle n'abandonne jamais. Elle ne renonce jamais. Elle ne recule jamais. Bien aimé, dans la foi, on avance face au danger. Parce qu'on est sûr. Vous savez pourquoi certains animaux ont été domptés? Vous savez pourquoi certains animaux se sont laissés dompter? Ces animaux se sont laissés dompter parce qu'ils ont la capacité à sentir la supériorité de leur maître. Ils ont la capacité à ressentir la supériorité de leur maître. Un animal ne se soumet à toi que quand il sent ta supériorité. Voici pourquoi le chien peut se soumettre à son maître et poursuivre un étranger. Parce que son maître lui a déjà démontré la supériorité. Vos problèmes ne vous quitteront que si vous cessez d'être incrédule. Nos problèmes ne cesseront de nous quitter, poursuivre que quand nous démontrons la foi. J'ai la conviction qu'en toi se trouvent des grandes choses que tu n'as jamais manifestées parce que tu es comme les chrétiens de maybe, maybe, peut-être, peut-être, on dirait ceci, cela. C'est-à-dire que toi, tout ce qui t'arrive là, c'est Satan. C'est sorcier. Même tes propres erreurs là, tu as mis sur Satan. Tu es devenu un menteur, tu mens sur Satan. Non, frère, ça c'est sorcier. Même tes propres bêtises, sorcier. Tes propres erreurs, sorcier. Tu es en retard, oh, sorcier. Tu es bloqué parce que tu n'arrives pas à prendre de bonnes décisions, sorcier. Aïe. Alors qu'à tout moment, tu dis, tu es en train de les lier. J'ai reçu le pouvoir, mais tout ce qui t'arrive, c'est sorcier. Cesse de donner du pouvoir à des gens qui n'ont pas de pouvoir. Parce qu'il y a un seul pouvoir qui doit prédominer. C'est la foi en Jésus-Christ. Va avec la foi et dis, je suis venu guérir le frère qui est malade. Il guérira par la foi. Comment se fait-il qu'une petite fille de rien du tout prie pour sa mère et puis sa mère est guérie en Guyane? Elle avait tellement la foi. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, des petits enfants de rien du tout prêchent la parole de Dieu et prient pour des vieilles personnes qui n'ont pas la foi? C'est la démonstration de la foi. Tu ne sais pas ce que tu es capable de réaliser. Tu ne sais pas de quoi Dieu t'a doté. Tu ne sais même pas de quoi tu es rempli. Tu ne sais même pas ce que tu es capable d'accomplir dans le nom de Jésus. Tu ne sais même pas jusqu'où tu es capable d'arriver. Ton seul problème, c'est que tu continues de dire « J'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. » Mais tu n'as jamais démontré la foi. Si tu as la foi, cesse de pleurer. Si tu as la foi, commence à croire que tout est possible. Si tu as la foi, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu pries aujourd'hui, demain tu pleures? Est-ce que vous pensez que si moi, j'ai la conviction, y a-t-il quelque chose qui va me faire changer d'avis? Y a-t-il quelque chose qui va me faire peur? Vais-je encore pleurer? Mais je ne pleurerai que les larmes de joie. Ce que je tente de te dire, ce n'est pas de te gronder. Beaucoup de gens ne comprennent pas mon message. Le problème, c'est que beaucoup de gens sont remplis de dons qui n'ont jamais vu se manifester parce qu'ils n'ont jamais démontré la foi. Beaucoup de gens sont capables de plus que ce qu'on pense d'eux. Tu as la foi, mais va passer cet examen. Prends la voiture, roule là. Va apprendre à conduire. La foi n'est pas limitée à un seul domaine. Arrêtez de mentir. Un chrétien qui a la foi, mais qui a peur de certaines choses, tu n'as pas la foi. On n'a pas seulement la foi de pouvoir posséder une chose. La foi est universelle. Ma sœur, et la maladie, avec Jésus, aucune maladie. Et le mort qui vient là, avec Jésus, il ne peut rien contre moi. Et ce blocage, avec Jésus, j'ai la foi. Et le problème avec Jésus, bien aimé, quand tu as foi en Jésus, la foi couvre tous les domaines de ta vie. Alors toi, tu as la foi.
Mais il y a des domaines dans lesquels tu pleurniches, tu te plains, tu es calé, tu es incapable d'agir. Je vais te poser la question de savoir, as-tu réellement la foi? As-tu réellement la foi? Arrête de te mentir. Arrête de te mentir. Vous savez pourquoi le diable n'attaque pas certains domaines de votre vie? Ce sont des domaines auxquels vous avez la foi. Vous les préservez, mais l'autre côté, il est détruit. La foi doit couvrir tous les domaines de votre vie. Parce que la Bible déclare que tout, la Bible déclare quoi? Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu, car avec Dieu, tout, la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Donc, ma foi ne va pas être juste basée, oui, tu vas te marier, tu as la foi, alléluia. Non, pardon, ça c'est foutaise, il faut quitter devant moi. Alléluia pour mariage. Quand on est d'aller dormir dans le noir, tu as peur. Tu as quelle foi? Vous voyez comment longtemps, pendant des années, les gens se sont fait des illusions. Et les gens ont été poussés à se faire des illusions. Prétendant d'avoir la foi et ne rien recevoir pendant des années, parce qu'ils n'ont pas compris une chose. La foi n'est pas faite pour être basée sur un seul domaine. La foi n'est pas faite pour être manifestée quand on parle de mariage. La foi n'est pas faite pour être manifestée quand on parle de guérison. La foi est faite pour avoir l'assurance qu'avec Jésus, rien au monde ne peut me nuire. La foi est faite pour avoir l'assurance qu'avec Dieu, rien ne m'est impossible. La foi me dit que je peux tout avoir. Je peux tout par celui qui me fortifie. Vous n'avez pas entendu cette chanson? Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Oui. Cesse de me dire tu as la foi quand après deux tentatives tu abandonnes. Cesse de me dire que tu as la foi quand après deux petites attaques en rêve tu es incapable de prier. Cesse de me dire que tu as la foi quand tu es incapable de te lever pour travailler sur tes projets, poursuivre tes rêves. Tu as maintenant décidé de rester esclave à vie, travaillant dur pour un salaire médiocre. Mais tu dis que tu as la foi. Ce n'est pas interdit de travailler. Mais quand au bout de quelques temps, tu acceptes la médiocrité, te contentes de petites choses, te limites avec ce que les gens pensent de toi, au lieu d'espérer en des choses capables de changer ta vie, et tu me dis que tu as la foi, toi aussi tu t'appelles chrétien, mon frère ou ma sœur, tu as un véritable problème. Mais lorsque je te regarde aujourd'hui, je sais que tu peux plus que ce que la vie t'a imposé. Je sais que tu peux plus que ce que la sorcellerie t'impose. Je sais que tu peux plus que ce que ta mentalité t'impose. Tu peux plus que ce que la vie veut te forcer. Dieu ne m'a pas créé pour la médiocrité. En 2017, lorsque j'avais acheté une petite Mazda qui me conduisait, une petite Mazda, je suis allé au travail. J'étais voiturier, dans un parking de Montréal. Voiturier, c'est-à-dire que les gens viennent garer leur voiture là. C'est moi, je vais chercher le parking, et puis quand je viens, je donne la clé en attendant qu'on me donne un petit pourboire, et puis j'étais content. Un jour, il dit, mais attends, un enfant de Dieu, tu es devenu voiturier, toujours assis, en train de somnoler devant le tableau, quand quelqu'un vient, pain, 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 tu cours. Oui, monsieur. Ça, c'est un bon boulot.
Mais un jour, lorsque je suis monté dans un véhicule, en plus un véhicule d'un païen, qu'on n'est même pas Dieu. Waouh! Seigneur, ces hommes-là ont la foi en ce qu'ils font. Ils se lancent dans des affaires. Ils s'engagent dans des projets par la foi. Ils savent que Dieu existe, mais ils sont aussi conscients que même si Dieu existe, ils ont une responsabilité. Et là, quand je conduisais, j'ai dit, Seigneur, voici le genre de voiture que tu dois me donner dans ma vie. 2017. 2018. En 2019, je me suis acheté une BMW X4. Parce que je l'ai déclaré à mon Dieu et je sais que mon Dieu est capable de tout. En 2012, en 1992, j'avais été forcé à arrêter l'école. Et un jour, malgré que c'était l'école primaire, j'ai décidé de poursuivre mon rêve. J'avais un rêve. Je ne savais pas comment il allait se réaliser, mais je savais que ce Dieu qui m'avait donné ce rêve n'échouait pas. Et je sais que vous aussi aviez en vous des choses. Les gens ont beau vous insulter, ils ont beau vous dire des choses, ils ont beau vous rabaisser, ils ont beau vous diminuer, ils ont beau vous intimider. Les pasteurs ont beau utiliser des messages, des prédications, des manipulations. Vous n'ouvrez pas vos yeux. Pourquoi vous êtes comme ça même? Je ne vais pas dire des mots, ils vont dire qu'ils nous insultent. Pourquoi vous êtes comme ça même? Vous ne savez pas que le pouvoir de l'influence est l'un des pouvoirs les plus puissants dans le monde. Vous vous laissez manipuler par des gens qui vous font croire que sans eux, vous n'êtes rien. Comment un être humain peut arriver à te faire croire que sans lui, tu ne peux rien? Alors que toi aussi, tu es un être humain comme lui. Vous pouvez plus que ce que les gens vous font croire. Vous pouvez guérir des malades. Vous pouvez chasser des démons. Vous pouvez changer vos vies. Sortez de ces personnes-là qui vous font croire que parce qu'ils sont vos pères spirituels, il faut qu'eux, ils prient pour vous pour que vous réussissiez. Ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges, des manipulations basées sur le pouvoir de l'influence. Moi-même, j'ai écrit un livre sur le pouvoir de l'influence. Vous pouvez tout. Tout dépend de la conviction et de le pouvoir d'autosuggestion. C'est tout. Voici pourquoi le diable manipule les pensées. Parce qu'un homme ne croit qu'en ce qu'il croit. Un homme ne devient que ce qu'il croit. Un homme n'est que le fruit de ses pensées. Avec Jésus, vous pouvez plus que même ce que moi, Elo, j'ai réalisé. Aujourd'hui, le Seigneur m'a utilisé pour écrire des livres. Bien aimé, c'est parce que j'ai décidé de croire que je suis capable d'écrire des livres. Aujourd'hui, je voyage à travers le monde. Aujourd'hui, vous me suivez depuis l'Italie. J'ai eu foi en ça. Et quand les autres disaient le contraire, j'ai continué à croire en mon rêve. Cessez de me dire, vous êtes des chrétiens. Lorsque vous êtes incapable d'aller poursuivre vos rêves. Cessez de me dire que vous êtes des chrétiens, car toutes les nuits vous pleurnichez même face à des situations que vous pouvez vaincre. Cessez de me dire que vous avez la foi. Quelle foi? Tu as la foi? Tu as la foi? Tu vas me dire oui. Tu vas me dire oui. Alors va affronter ta situation maintenant. Va reprendre ta place maintenant. Va reprendre tes études maintenant. Rentre dans la maison maintenant, sors ton ordinateur, sors tes affaires, reprends le projet. Tu as quelle foi? Va affronter la sorcellerie maintenant. Tu as la foi? Tu attends quoi? Tu attends quoi? Sache que si tu attends le bon moment pour agir, c'est que tu n'as pas encore vu la foi pour passer à l'action. Si tu attends le bon moment pour agir, c'est que tu n'as pas encore la foi pour passer en action. Dis ça à quelqu'un. Frère Jean, dis à tous ceux qui attendent le bon moment pour agir que c'est parce qu'ils n'ont pas encore la foi pour passer à l'action. Cesse de te mentir. Non, c'est parce que je n'ai pas encore l'argent. Tu n'as pas encore l'argent? Excuse-moi, c'est parce que tu n'as pas la foi. Celui qui n'a pas l'argent sait que par la foi, il peut avoir l'argent. Il est debout en train de chercher l'argent parce qu'il est convaincu que quelque part, il va trouver.
Ah non, c'est parce que je n'ai pas encore trouvé les bons amis. Excuse-moi, tu te mens. Arrête de te mentir. Arrête de mentir. C'est parce que je n'ai pas encore trouvé la bonne personne. Mais va la chercher. Va la chercher. Dans 5 minutes, on termine. Ah non, c'est parce que j'ai personne pour m'aider. On s'en fout là. Quelqu'un pour t'aider, personne pour t'aider. On s'en fout. Tu peux tout. Tu peux tout. Si tu n'as personne pour t'aider, c'est parce que Dieu est convaincu que tu peux le faire toi-même. Vous croyez que j'ai eu besoin de quelqu'un pour m'aider à écrire mes livres? Est-ce que j'ai eu besoin de quelqu'un pour m'aider à... Non, frère Louge, c'est parce que je ne trouve personne pour m'aider. Arrête de me mentir. Tu n'as besoin de personne pour t'aider. Tu as besoin d'avoir la foi pour que Dieu t'envoie les bonnes personnes pour t'aider. Cessez de créer vos propres malheurs. Cessez de vous bloquer. Cessez de vous freiner. Vous avez longtemps utilisé des faux prétextes, parfois des mensonges. Frère, c'est parce que... Ah, c'est parce que mon mari ne m'aide pas. Oh. Ton mari est qui? Est-ce qu'il est Dieu? Il est un homme. Ah non, c'est parce que ma femme ne me soutient pas. Bien-aimé, est-ce que depuis que je fais ministère, vous avez vu femme à côté de moi? Depuis que je fais mon ministère là, vous m'avez vu... Ça va arriver. Vous avez vu femme assise à côté de moi en train de prêcher? C'est parce que mon mari ne prie pas avec moi. C'est parce que ma femme ne prie pas avec moi. Jusqu'à ce que Dieu m'envoie quelqu'un qui va m'aider. Je suis là. Je prends mes responsabilités. Quand Dieu a créé Adam, il n'a pas créé Ève en même temps. Il a fini de créer Adam avant de créer Ève. Il y a des aides qui viennent plus tard. Donc fais ta part. Et Dieu fera pas. Eh oui, c'est parce que mon mari ne s'intéresse pas à ce que je fais. C'est parce que ma femme ne s'intéresse pas à ce que... Bien aimé, tu peux être marié à quelqu'un qui a un rêve même là, qui est différent de ce que tu veux. Si c'est pour attendre que tes amis, tes frères, tes oncles, tes ceci, tes cela, il faut rester là. Continue de te retarder. Le temps, tu vas ouvrir tes yeux là. Tes amis ont déjà acheté des avions, des bateaux et tu seras encore dans tes mensonges. C'est parce qu'on ne veut pas m'aider, c'est parce qu'on ne veut pas me ci, c'est parce qu'on ne veut pas me ça. Qui a dit qu'il faut forcément quelqu'un pour t'aider? Cesse de te bloquer. S'il n'y a personne pour t'aider, c'est parce que le Seigneur sait que tu es capable de le faire. Arrête de déconner. Arrête de te bloquer. Si Dieu juge bon de t'envoyer ton mari pour t'aider, il le fera. Si Dieu juge bon d'utiliser l'argent de ton oncle, il va l'utiliser. Pierre-Aimé, vous savez combien d'oncles j'ai? Tu as déjà entendu qu'il y a un qui a sorti l'argent pour faire ce projet? Tu as déjà vu un grand frère qui avait dit, « Oh, c'est moi qui l'ai aidé à partir en Europe. » Tu as déjà vu un grand frère qui avait dit, « Oh, c'est moi qui l'ai aidé. » Aucun membre de ma famille ne m'a aidé. Les petits coups de main qu'ils devaient me donner dans le passé, ils m'ont donné. Il n'y a pas un ami qui va venir te dire, « Je l'ai aidé. » Ce que Dieu voulait me prendre pour pousser à réaliser certaines choses, il les a utilisées. Dieu a utilisé qui il voulait. Mais moi-même, je devais faire ma part. Vous croyez que les gens ont cru qu'ils pouvaient devenir écrivains? Vous croyez que les gens ont cru à mon rêve? Personne n'a cru. Les seuls amis qui m'ont aidé sont ceux qui ont cru. Mais aucun parent. Alors que j'avais des oncles, non? Si Dieu juge bon d'utiliser ta femme, il va l'utiliser. Il y a des pasteurs qui sont là, ils ont des problèmes parce que femme ne veut pas les aider. Il y a des femmes qui sont là, ah, je sers Dieu, j'ai des problèmes parce que mon mari ne veut pas m'aider. Tu as quel problème? Est-ce que c'est ton mari qui a été appelé ou bien c'est ta femme qui a été appelée? Est-ce que c'est ton frère qui a été appelé pour faire le travail ou bien c'est ton cousin qui a été appelé? C'est toi qui as reçu le don, c'est toi qui as reçu la mission, c'est toi qui as reçu la vision, c'est toi qui as reçu le projet, c'est toi que Dieu a choisi. Et tu es là, eh, c'est parce que les gens ne veulent pas m'aider. Il faut rester là, hein. Nous on s'en va pour te laisser. Aie confiance en Dieu. Va et relève ton défi. Regarde, dans combien de mes vidéos tu vas me dire, ah oui, ils prêchent toujours. Les hommes de Dieu qui ont une femme qui les aide, Dieu merci. Si tu n'as pas une femme qui a la même vision que toi ou qui tu n'en as pas du tout, tu fais ce que Dieu dit de faire. Moi seul, je suis chef d'entreprise. Moi seul, je suis agent de poste. Moi seul, je reçois les appels. Moi seul, j'organise les conférences. Moi seul, je suis mon propre coiffeur. Je dois me coiffer,
avant de passer en direct. Je dois repasser mes habits avant de passer en direct. Je dois m'occuper de certaines choses. Je dois tout organiser. Je dois appeler les gens. Je dois discuter avec les compagnies à distance. Je dois aller chez l'imprimeur. Je dois aller chez la graphiste. Je peux tout faire. Pourquoi? C'est Dieu qui me fortifie. Et aujourd'hui, le Seigneur a envoyé des gens pour m'aider. Mais si demain, ils ne sont pas là, je suis habitué. Je peux tout faire. Vous êtes tellement habitué à être aidé que le jour où vous n'êtes pas, vous tombez pour toujours. Tellement habitué à être materné. Tellement habitué. Il faut que quelqu'un te donne l'argent d'abord. Il faut que quelqu'un te donne ci. Il faut que quelqu'un te donne ça. Il faut que quelqu'un t'épouse. Il faut que... Maintenant, le jour où ils ne sont pas là, vous savez pourquoi le Seigneur m'aide? J'ai décidé de mettre ma foi en Dieu. Et ceux que Dieu envoie pour m'aider, eux-mêmes, ils s'engageront pour m'aider parce que Dieu les a déjà préparés. La preuve, mon frère Jean, que je viens de rencontrer, quand Dieu m'a permis de rencontrer ce monsieur, lui-même, il s'est engagé pour certaines choses. Et aujourd'hui, nous, on marche ensemble. C'est Dieu qui fait tout. Mais pour l'instant, ne compte même pas sur ton mari. Ne compte même pas sur ta femme. Ne mets même pas ta foi sur l'homme. Parce que le premier frein, c'est d'attendre que quelqu'un t'aide à réaliser ton but. Parce que les véritables individus qui vont venir dans ta vie là, tu ne les forceras pas pour te donner quelque chose. Tu ne les obligeras pas pour te donner quelque chose. Ton mari, si c'est l'homme que Dieu t'a destiné, oh, il va t'accompagner. Même s'il faut qu'il abandonne son travail pour t'accompagner, il va t'accompagner. Il va tout sacrifier pour toi. Une femme incapable de laisser son travail pour son mari, ce n'est pas la bonne femme de ta vie. Un homme incapable de faire des sacrifices pour toi, tu n'as pas encore trouvé l'homme de ta vie. Un ami incapable de faire des sacrifices pour toi, je suis désolé, tu n'as pas encore trouvé l'ami de ta vie. Malheureusement, c'est avec ça qu'on traîne toute notre vie. Mon frère, l'homme et la femme ne viennent pas pour avoir des rêves différents. Si toi, tu as un rêve, ta femme en a un autre, je suis désolé. Tu es mal marié. Si tu as un rêve, ton mari en a un autre, tu es mal marié. La Bible dit que deux personnes qui ont deux rêves différents ne sont pas destinées. Deux personnes en désaccord ne peuvent pas vivre ensemble. Bibliquement parlant, c'est prouvé et c'est confirmé. Alors, maintenant tu vas réfléchir pour corriger tes erreurs. Et tu vas maintenant savoir poser tes conditions. Et tu vas maintenant savoir choisir tes amis. Les gens qui ne croient pas en Dieu, tu n'as pas encore eu des amis. Les oiseaux de même plumage doivent voler ensemble. Veille à ce que la femme de ta vie aille dans la même direction avec toi. Veille à ce que l'homme de ta vie aille dans la même direction avec toi. Veille à ce que tes amis de la vie aillent dans la même direction que toi. Imaginez un pneu allant dans une autre direction et l'autre pneu allant dans une autre direction. L'autre va dire non, on passe ici. Non, c'est ici. Non, c'est comme ça. Beaucoup de gens n'avancent pas dans la vie à cause de ces unions bizarres, à cause de ces relations bizarres, à cause de ces amitiés bizarres. Dieu va te donner un bon rêve, mais à quelqu'un qui va venir te faire douter. Tu veux servir Dieu, il y a quelqu'un qui va venir t'égarer. Tu veux aller dans une direction, il y a quelqu'un qui te retient avec des histoires, des disputes, des confusions et autres. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez une part de responsabilité. Il est de votre droit de choisir votre destinée. Il est de votre droit de choisir vos préférences. Il est de votre droit de servir Dieu. Il est de votre droit de poursuivre votre rêve. Personne au monde n'a le droit de venir dans votre vie pour changer vos rêves. S'il n'est pas venu pour accepter vos rêves, c'est qu'il n'est pas destiné à être avec vous. S'il vient pour vous permettre de vous améliorer, gloire à Dieu. S'il vient pour vous aider, gloire à Dieu. S'il vient pour vous donner des conseils créatifs, gloire à Dieu. Toute personne qui vient dans votre vie doit être destinée à aller dans le même sens que vous. Même si c'est vous-même qui ne vous sentez pas avec quelqu'un, vous êtes en erreur. Même si c'est moi-même qui ne me sens pas avec une femme,
Je ne peux pas accepter ses droits. Je ne peux pas accepter sa vision. Je ne peux pas accepter ses rêves. C'est que je suis un mauvais mari pour cette femme. Vous devez maintenant aller conquérir vos vies. Apprenez à démontrer la foi. Des chrétiens qui raisonnent, des chrétiens qui ne changent pas de mentalité, des chrétiens qui n'ont aucune foi, des chrétiens... Attends, toi tu es quel chrétien même? Tu es quel chrétien? Tu as quel problème? Tu es quel chrétien même? Chrétien! Pasteur, il faut me soutenir en prière. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Les vrais chrétiens là, leur père spirituel les reconnaît. Le père spirituel même a envie de t'inclure dans son groupe de prière. Il y a des gens là, on ne peut jamais les inclure dans notre groupe de prière. Même moi, Éloge, il y a des chrétiens que je ne peux pas inclure dans les sentinelles. Parce que ce sont des gens qui vont une pleurnicher. Aujourd'hui, pasteur, j'ai mal au dos. Demain, j'ai mal à la tête. Demain, j'ai mal. Vous allez rester là, prier pour rien. Les chrétiens zozo. Ça dit un chrétien qui ne sait pas ce qu'il veut, qui ne sait pas qui il est, qui ne sait pas où il va. Tu vas rester là, intercéder. Tu finis de prier pour oreille, il a mal à la tête. Chrétien, même s'il voit mouche, c'est Satan. Mais il y en a, tu es là, tu as le courage de prendre le téléphone pour dire, ma fille Marc, je veux qu'on prie aujourd'hui. Parce que tu sais que tu ne vas pas être le seul à prier. Un vrai chrétien n'a pas besoin de pasteur, il faut prier pour moi. Je suis désolé, je suis chrétien au même titre que le pasteur. J'ai reçu Jésus au même titre que le pasteur. Peut-être le pasteur avant moi, d'accord, mais le même nom, le même pouvoir, le même Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont dans les groupes d'intercession, mais il y en a qu'on ne peut jamais mettre dans les groupes d'intercession parce qu'ils n'ont pas la foi. Tu peux être mon enfant spirituel, mais je ne te mettrai jamais dans mon groupe d'intercession. Parce que toujours tu auras un sujet. Toujours tu vas avoir un sujet. Toujours c'est toi qui vas rêver. Toujours c'est toi qui as ça. Toujours c'est toi qui as mal aux pieds. Non, il ne faut pas venir me fatiguer ici. Qu'est-ce que je tente de vous faire comprendre? Devenez des David là où il y a des Goliath. Devenez des Moïse et persistez là où Pharaon vous résiste. Devenez des dignes héritiers par la foi. Devenez des dignes héritières du grand Abraham par la foi. Alors, je ne sais quelle situation, je ne sais quelle situation vous avez peur d'affronter. Le premier signe de la lâcheté, c'est la peur. Le premier signe du doute, c'est la peur d'affronter une situation quelconque. Le premier signe de la lâcheté, c'est la peur. Peur de dire ce que tu dois dire. Peur d'affronter les circonstances. Peur de combattre l'homme fort. Peur d'affronter la sorcellerie. Peur d'essayer. Peur d'être jugé. Peur d'être condamné. Peur d'être mal vu. Peur, et quoi encore? Peur d'échouer, peur d'être mal regardé, peur, qu'est-ce que mes patrons vont dire? Qu'est-ce que mon église va dire? Qu'est-ce que le pasteur va dire? Quand il dit c'est qu'il dit ce qu'il veut, s'il ne t'enseigne rien, on s'en fout, tu te bats. Si moi et l'autre, je ne t'enseigne rien, bats-toi. Même si je dois parler en l'apprenant, ce n'est pas ton problème, on s'en fout, tu es là pour sauver ton âme. Et l'autre, j'ai qui? Ton père spirituel est qui? Pour que lorsqu'il ne t'apporte rien, il te force à rester. Mon frère, même si c'est moi-même, je ne t'apporte rien, tu as le choix de partir. Va où tu veux. Ça, c'est ton choix. Cesse d'avoir peur. Dis à quelqu'un, on a fini. Cesse d'avoir peur. Chrétienne, même qui a peur des mouches, quelle honte. Chrétien qui a peur d'araignées, malheureux, très malheureux de voir des chrétiens pacotilles de nos jours. Chrétiens qui ont la foi en pacotille, quand ils mettent dans l'essence, ça change de couleur. La foi en pacotille face au danger, brrr,
la foi en pacotille, mais un peu d'eau de Javel. Je ne veux pas de chrétiens en pacotille. Parce que chaque personne qui me regarde a un David en lui qui peut se réveiller pour vaincre Goliath. Chaque femme qui me regarde a Ruth en elle, à Naomi en elle, à Esther en elle. Il ne s'agit pas d'être arrogant, mais il s'agit de démontrer la foi. En tout cas, chaque fois que tu pleures, souviens-toi de ça. Chaque fois que tu as peur, souviens-toi de ça. Chaque fois que tu décides d'abandonner, souviens-toi de ça. Chaque fois que tu es incapable d'affronter une situation avec assurance, souviens-toi de ça. Tu es un chrétien pacotille. Mais chaque fois que tu décides d'affronter une situation avec intégrité, dignité et résolution, sache que tu es David, tu es le Moïse, tu es Joseph et tu es Anne. Va maintenant leur démontrer que je ne suis pas un chrétien pacotille. Écris en bas, je ne suis pas un chrétien pacotille qui change de couleur. Va et dis-leur, je suis venu terminer mon projet. Je suis venu terminer ma maison que j'ai abandonnée au pays. Je suis venu reprendre mon terrain. Je suis venu reprendre ma terre promise. Je suis venu dire à la paresse, la lourdeur, tu ne me voleras plus mon temps. Dis à la peur, c'est fini. Va et ne recule pas. Je ne suis pas un chrétien pacotille. Que Dieu te bénisse. Bonne soirée. Bonne giornata. Bonne sera. Good night. Que Dieu te bénisse. Va et dis-leur, je ne suis pas n'importe quel chrétien avec qui vous allez jouer. Va et dis-leur, vous n'allez plus jouer avec mes projets, mes destinées, ma vie, mon futur, ma santé et autres. Va et dis-leur, je ne suis pas un chrétien en pacotille. Un chrétien en pacotille, c'est un chrétien qui ne change pas sa position, qui ne change pas ses visions, qui n'abandonne pas, qui ne tremble pas, qui a l'assurance que quoi qu'il arrive, le Seigneur Jésus est avec moi. Un chrétien qui affronte ses situations avant que les pompiers n'arrivent. Un chrétien qui combat avant que l'aide n'arrive. Un chrétien qui change des choses. Un chrétien qui transforme des vies. Un chrétien qui impacte. Un chrétien qui influence positivement. Je suis un David. Je ne fuirai jamais devant Goliath. Même s'il faut tomber les armes à la main, je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. Je ne suis pas un chrétien pacotille. Allez, va reprendre tes projets. Ciao! C'était Elogique ici depuis l'Italie. Je suis à Milan, à Vigevano. Que Dieu vous bénisse. On a terminé. Si vous prenez cette vidéo en retard ou plus tard, aujourd'hui, 1er juillet, d'ici quelques jours, je ne serai plus là. OK? Donc, ne m'appelez pas pour dire, frère, j'ai regardé ta vidéo, tu as dit que tu es en Italie. Je vous aime beaucoup et ne l'oubliez pas. Je suis là pour vous faire comprendre que tant que vous n'irez pas démontrer la foi, vous ne saurez pas ce que vous valez. Que Dieu vous bénisse. C'était Elogique ici. Ciao!